Voilà. Et Françoise qui incarne Yvonne, la dame de ménage de Christian, c'est vous qui subissez en quelque sorte tous les affres de Élise, la voleuse. Bon. Je n'ai pas dit quelque chose. Je m'en vais. Yvonne! Yvonne! Ça va, monsieur Tavares, je vais continuer au passage. Ok. Merci, Élise. Venez un peu. Je ne sais pas pourquoi le dialogue est là. Haché. Hein? C'est haché. Oui. Parce que. C'est que comme ça. Comment vous vous êtes retrouvé dans un personnage qui est totalement. Qui vous ressemble quand même un peu parce que vous êtes plutôt calme, douce. Et vous devez gérer une femme au caractère assez difficile. Action. Mais que faites-vous là? Tu me fais peur, Yvonne. En fait, je venais déposer le t-shirt de Christian que j'ai trouvé dans mes affaires. Comment est-ce que ça vous a. Voilà, comment vous vous êtes retrouvé dans ce rôle et comment est-ce que vous interprétez votre personnage à la perfection? Bon, là, je suis Yvonne, j'incarne le rôle d'Yvonne, la dame de ménage. Je ne suis pas ménagère. Pas du tout, absolument pas. Je me mets juste dans la peau de la dame de ménage. Mais il faut dire que le personnage de Yvonne ressemble très pour très quand même à votre personnage actuel parce que. Françoise, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est très douce, qui est très calme aussi. Action. Yvonne, merci. Tu n'aurais pas vu ma bague dans la chambre? Je l'ai laissée hier dans mon sac à dos accroché et attendu. Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. Comment ça? C'est pas toi qui aurais fait le ménage dans ma chambre hier? Si, mais elle n'était pas là, monsieur. Et comment tu expliques que ma bague se soit volatilisée comme ça dans ma chambre? Qui est le responsable de cette maison? Mais vous insinuez que j'ai volé votre bague? Je n'ai pas dit une telle chose. Mais c'est toi la responsable de cette maison. Et puis, c'est pas la première fois que je constate que les choses disparaissent dans cette maison. Mes écouteurs, mes chaussures, et mon argent même en plus. Et cette fois-ci, c'est la bague. Yvonne, comment expliques-tu que cette bague se soit volatilisée dans cette chambre? Non, monsieur. Fanée de trop. Je suis pauvre, misérable, mais je ne suis pas une voleuse. Yvonne, cette bague, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Alors il me faut cette bague. Je ne vais pas continuer à rester dans cette maison pour vous entendre me traiter de voleuse. Je m'en vais. Yvonne, c'est pas ça que je voulais dire, s'il te plaît. Écoute. Christian, ne te dérange pas, je vais continuer au passage. Merci. Repasser jusqu'à la gare. Et donc, je suppose que ça a été très facile pour vous d'entrer dans la peau de ce personnage parce qu'elle vous ressemble quand même un peu, très attentionnée et très, très soucieuse en même temps. Justement, parce que dans la vie, naturellement, je suis calme, respectueuse. Donc, mon rôle, c'est tout moi, sauf que je ne suis pas ménagère. Exact. Voilà. Monsieur Tala! Monsieur Tala! Madame Élise! Madame Élise! Monsieur Charles!